Salut, c'est Fabrice, le disquaire du web. Alors en ce moment, c'est le grand retour de Claude François. Pourquoi? Eh bien parce que il est mort il y a pile 40 ans, le 11 mars 1978 exactement. Alors en ce moment, bah, c'est plein de rééditions en vinyle notamment, surtout du vinyle. Le dernier que j'ai rentré en fait, donc c'est Magnolias Forever, des disques flèches, une très très belle réédition collector, une exclusivité Fnac. Maintenant en fait la Fnac, ils font comme Amazon, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres exclusivités en vinyle. Donc c'est un vinyle de couleur bleue et 180 grammes. Donc un très bel objet que je vais découvrir avec vous parce que je ne l'ai même pas regardé encore. Voilà, j'ai juste enlevé du cellophane. Ah ouais, c'est un très très beau bleu clair, bleu ciel. On n'a pas l'habitude de voir ce type de couleur. C'est souvent des bleus. On n'a pas ce type de bleu là, bleu ciel. Donc il est vraiment sympa. Il tend un petit peu même sur le turquoise, on pourrait dire légèrement. Et c'est de la qualité, effectivement. On sent vraiment. Enfin, 180 grammes, c'est toujours comme ça. Hein, c'est beaucoup plus épais. Alors pour la petite histoire, puisqu'on est dans Claude François, les disques flèches, c'était lui en fait qui avait créé son propre label. À l'époque, Claude François était non seulement doué pour la chanson, mais c'était aussi un très bon homme d'affaires. Et donc, il avait créé eh bien son label, les disques flèches. Ensuite, j'avais parlé dans une précédente vidéo de deux autres disques. Alors, je vais pas vous les représenter. Simplement, j'ai omis de vous dire quand même quelque chose d'important. C'était au sujet du maxi 45 tours d'Alexandrie Alexandra. Donc, ce maxi 45 tours qui a été édité et pas réédité, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, c'est une erreur. Hein. C'est pas une réédition, c'est une édition nouvelle avec une version longue qui n'existait pas à l'époque. Donc ça a été la version longue a été refaite dernièrement en studio, donc nouveau mix hein, de 8 minutes 10 qui est une version disco club qui est très très bien faite d'ailleurs. Donc ça a été carrément, enfin c'est des nouvelles versions que vous avez là dessus à part la quatrième plage, donc la sur la face B qui est la version originale de 1977 qui dure 4 minutes 22. Sinon, eh bien, les autres, vous avez la version longue de 8 minutes 10, donc sur la première face. Ensuite, vous avez le nouveau mix en 4 minutes 59. Et en face B, vous avez la version longue instrumentale de 8 minutes 10 également. Donc, c'est très très bien réalisé. Hein, voilà, c'est vraiment une version disco club comme on aurait aimé en avoir à l'époque. C'est vraiment très très bien fait. Et donc, c'est une édition spéciale de 40e anniversaire. Donc, inutile de vous dire que ces disques sont tous en tirage limité. Hein, donc, le vinyle bleu de Magnolias Forever, bien sûr, ça c'est édité en quelques milliers d'exemplaires, des fois il n'y a même pas 2000 exemplaires, comme Alexandrie Alexandra, c'est marqué ici, hein, édition limitée à 1500 exemplaires, ce qui fait très très peu. C'est des futurs collecteurs qui vont valoir très cher dans quelques années. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si vous êtes fan de Claude François. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, à très bientôt, au revoir.